Eva, Ali, Namakila, Naye, Alom, Isatan, Ilonga, Eva, Ali, Namakila, Naye, Alom, Ibandoki, Ilonga, Eva, Ali, Namakila, Naye. Je suis fort, je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur, je suis fort. Par le sang de Jésus, mon sauveur, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur, oui, chante encore, tu es fort, je suis fort, tu es fort, plus que vainqueur, oui, plus que vainqueur. Par le sang, proclame encore, confesse encore. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. C'est qui nous appartient. Si le sang avait protégé le peuple d'Israël en Égypte, le sang d'un animal a comme plus forte raison le sang de l'agneau de Dieu. Le sang sans tache, le sang qui crie plus que le sang d'Abel, ne nous protégera-t-il pas? Ne protège-t-il pas ta famille, tes enfants, tes biens, tes projets, ta santé et tout ce qui t'appartient, tes études, tes démarches? Applique le sang de l'agneau de Dieu pour tout. Prions l'Éternel. J'applique le sang de l'agneau de Dieu dans ma maison. C'est la porte de ma maison. Le sang de l'agneau de Dieu dans toutes les pieds, dans toutes les pièces de cette maison. J'applique le sang de l'agneau de Dieu. Et tous ceux qui viendront ici. Le sang de l'agneau. Oh, Yamini, ma belle, ma bonne maquilla. Seigneur, ma coupe maquilla. De la victoire. Quand ils vont tenter de faire des incantations, que le sang de l'agneau les arrête. Le sang, c'est d'Orsia. Le sang, c'est Sarah, c'est Glodie. Le sang, c'est tous les enfants. Sur le chemin de ma vie. Et Toulouse. Le sang de l'agneau, le vient sur mon épouse. Le sang de l'agneau, tout le monde de l'église, c'est de Brazzaville. C'est de Toulouse, c'est de Paris. Le sang de l'agneau, Père, dans le peuple où ils iront. Qu'elle ne puisse voir le sang, c'est leur front. Oui, le sang, c'est là le signe de la différence de tout ce qui appartient au Seigneur. Oui, le sang, que le sang apporte la guérison, la délivrance. Oh, nous te bénissons. Que le sang nous accompagne dans nos démarches. Que le sang touche tous vos dossiers, tous nos dossiers. Oh, merci Jésus. Dans un monde d'embonglion, là où il y a des démons, là où il y a la puissance des ténèbres, que le sang nous garde. Que le sang nous protège. Au nom de Jésus, quand les sorciers viendront, qu'ils puissent voir le sang de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à ton nom. Le sang de Dieu dans vos appartements, le sang de Dieu partout là où vous dormez, le sang de Dieu partout là où vous travaillez. Parce qu'il vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre.
J'ai la foi. C'est ça aussi le bonheur. Sont assurés. Oh, après Seigneur. Il tient ma vie. Et si tu crois qu'il tient ta vie? Je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, parce qu'il vit. Parce qu'il vit. Andele Kayabosoro. Je n'ai rien à craindre. Les chrétiens n'ont rien à craindre. Les vrais. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et pour l'éternité. Je sais qui. Les vrais chrétiens, les vrais enfants de Dieu n'ont rien à craindre. Ils n'ont rien à craindre. Quel que soit ce que les économistes peuvent dire, peuvent déclarer, ils n'ont rien à craindre. Parce qu'il nous a fait une promesse. Écoutez, notre ami, l'ami merveilleux Jésus, il a dit ceci. Je vous appellerai plus serviteur, mais je vous appellerai ami. Parce que je vous ai fait connaître tout, c'est-à-dire, il dit, je vous ai donné le pouvoir. Amen. Amen. Vous pouvez chasser les démons. Vous pouvez lier les mauvais esprits. Yaya, tu n'as pas besoin de courir de gauche à droite à Paris pour aller chercher quelqu'un pour chasser les démons. Tu as le pouvoir. L'ami merveilleux nous a donné ce pouvoir. J'ai ce pouvoir. Tu as ce pouvoir de dire non à cette situation négative dans ma vie, dans ma famille, dans mes études, la situation de stagnation, je refuse cela. Je prie comme jamais, éternel, étant mes limites, je refuse la stagnation. Amen. Je n'ai rien à craindre. Oui, même aujourd'hui, si je ne vois rien, je ne crains rien. Amen. Amen. Ma vie, ta vie, et à travers toi, ta famille, est entre les mains de l'éternel. Amen. Entre les mains de l'éternel, oui, tu n'as rien à craindre. Même si aujourd'hui, ça n'a pas marché, Yaya, fais confiance. S'il y a un dimanche, il y a un lundi. Ah! Alléluia! S'il y a un lundi, il y a un mardi. Yaya! S'il y a un mardi, il y aura un mercredi. Alors, on a collé la vie sous tout terre. On a commis tout mis à sous tout terre. S'il y a un mercredi, il y a un jeudi. S'il y a un jeudi, il y a un vendredi. S'il y a un vendredi, il y a un samedi. Alléluia. Amen. Ça dit, la main de Dieu est toujours là. Chacun. Selon le programme que Dieu a établi. À son temps. Il fait toutes les choses bonnes. En son temps, Yaya. Pas dans la précipitation. Pas en prenant les raccourcis. Mais à son temps. Il fait toutes choses bonnes. Et tu dois te réjouir. C'est aussi ça, le bonheur. Ce matin, je voulais parler du vrai bonheur. Le vrai bonheur, c'est de faire confiance en Dieu. Amen. D'avoir confiance en Dieu. Amen. Tu dis toi-même, j'ai confiance en Dieu qui agira. Amen. C'est aussi ça. C'est ça le vrai bonheur de l'Église. Ils savent que nous ne sommes pas seuls. Amen. Amen. Jésus est avec nous. Son esprit est avec nous. Oui, le vrai bonheur, c'est de connaître son Dieu. Écoutez, si tu connais ton Dieu, tu ne vas pas commencer à pleurer, à murmurer, à trembler devant. Non, si tu connais ton Dieu, tu diras parce que mon Dieu vit, parce que Jésus vit, je n'ai rien à craindre. Il tient ma vie, ma famille entre ses bonnes mains. Et mon avenir est assuré. Aïe, 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 même s'il y a des bombes atomiques. Poutine, Michel, la bombe atomique, je sais que je vais partir, je vais retourner au périphère. Amen. Amen. Ni la mort, ni la richesse, ni la pauvreté ne peut pas nous séparer du Seigneur. Amen. Ne peut pas nous éloigner du Seigneur. Amen. C'est ça le vrai bonheur. Le vrai bonheur, normalement, c'est cette vraie satisfaction. Une personne qui est satisfaite, c'est-à-dire une personne qui vit en paix, une personne qui vit dans la tranquillité, sans craindre aucun mal. Amen. Ta vie est assurée. Alléluia. Oh, il y a 6 millions à Zanabomo.
Amen. Amen. Mais Romains 8, 28 nous dit ceci. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a des moments où il y a des choses que Dieu peut permettre dans notre vie. Ce n'est pas pour nous détruire. Amen. Amen. Ce n'est pas pour la honte, ce n'est pas pour l'opprobre, non. Mais tout simplement, c'est lui qui tient tout entre ses bonnes mains. Amen. Amen. Et il est souverain. Yaya. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, à qui il veut. Il accorde la grâce à qui il veut, quand il veut. Il n'abandonne pas. C'est pour ça que nous devons savoir qu'après avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous pouvons aussi traverser des moments difficiles. Mais garde ta paix. Amen. Amen. Garde notre paix. C'est ça le vrai bonheur. C'est ça le vrai bonheur. Ayez confiance en Dieu. J'aime David dans Psaume chapitre 3. Il dit ceci. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude s'élève contre moi. Combien qui disent à mon sujet. Plus de salut pour les autres. Plus de salut pour lui auprès de Dieu. Les gens disent plus de salut pour lui auprès de Dieu. Ça veut dire que les gens commencent à se moquer de toi. Mais David disait non, 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 pas avec mon Dieu. Amen. Il dit ceci. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Yaya. Écoute la confession d'une personne qui vit le bonheur de Dieu. Il dit ceci. Toi, Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma forteresse. Et c'est David qu'on tenait à dire dans Psaume 91, il dit, c'est lui qui habite sous l'abri du Très-Haut, se repose sous l'ombre du Tout-Puissant. Habite sous l'ombre. Sous l'ombre du Tout-Puissant. Amen. David aimait dire ceci, toute ma vie, je vais vivre dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Là, Yaya, le vrai bonheur, c'est aussi ça. Vivre dans la présence de Dieu. Croire que je suis dans la présence de Dieu. Je suis en communion avec lui. L'ami méridien est avec moi. Il demeure en moi, moi je demeure en lui. Quels que soient les vents et tempêtes, il est dans mon bateau, il est dans ma pirogue. Amen. Nous ne chavirons pas, Yaya. Nous ne chavirons pas. Nous ne chavirons pas. Ce qu'on tient, on ne t'aime pas, c'est que nous devons changer la vie. Amen. Nous devons encore vous enganailler. Mais c'est les vrais chrétiens, les enfants de Dieu, qui ont placé leur confiance au Seigneur. Ces hommes et ces femmes vivent le vrai bonheur. Ils se disent, mon soutien, c'est l'Éternel. Amen. Amen. Même s'il y a le vent, même s'il y a la tempête, je sais une chose, c'est lui qui me soutient, c'est le Très-Haut, c'est le Tout-Puissant. Le Dieu de paix, le Dieu d'amour. Et quand on parle d'amour, Yaya, quand il y a l'amour, on protège. Amen. Amen. Et la Bible nous dit, même, c'est par amour que Jésus s'est sacrifié. C'est-à-dire, quand il y a l'amour, on se sacrifie. Amen. Et Dieu nous dit qu'il nous aime. Dieu t'aime. Tu as de la valeur. Ton âme est de la valeur. Il ne permettra pas à l'ennemi de te détruire. Même s'il y aura des vents et des tempêtes, même si on va te mettre dans un trou là où il y a des lions comme Daniel, il va te défendre. Amen. Amen. Il va te défendre. Même si on va te jeter, on va te mettre dans un four comme on a mis les trois amis de Daniel, une quatrième personne apparaîtra. Amen. Amen. Une troisième, quatrième personne, il se nomme Jésus. Le Tout-Puissant, à qui tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre. L'ami merveilleux, il faut qu'il demeure en toi. Il faut qu'il demeure en moi. Amen, amen. Amen. Oui, je me couche et je m'endors tranquillement. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Parce que je suis couvert. Je suis sous l'ombre du Tout-Puissant. Je suis sous l'abri du Très-Haut.
Amen. Kindokine et pas la bango et pas la nate. Asimba mwasi na nate. Asimba bana na nate. Asimba oya nate. Parce que oya nate est en assurance. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Amen. Et tu peux encore chanter en disant l'éternel est papa. Dieu tout puissant est papa. Papa n'y a mal à moi bana. Mon créateur est mon maître. Dieu d'amour est mon papa. L'éternel est papa. Dieu puissant est papa. Le créateur est mon maître. Dieu d'amour est mon papa, mon Dieu. Mon Dieu, je t'aime. Oh, alléluia. Mon Dieu, je t'aime. Oh, mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, si. Pas dans la joie. Il était poursuivi par son propre fils qui voulait sa mort. Amen. C'est-à-dire, dans la vie chrétienne, nous pouvons traverser des moments difficiles, même la maladie. Mais ne crains pas. Écoutez ce qu'il dit. Je ne crains pas les milliards de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Amen. Je ne crains pas. Est-ce que tu peux dire comme moi, je ne crains pas les milliards de peuples qui m'assiègent de toutes parts? Crie comme moi, lève-toi, ô Éternel. Lève-toi, ô Éternel. Sauve-moi, mon Dieu. Sauve-moi, mon Dieu. Car tu frappes à la joue mes ennemis. Car tu frappes à la joue mes ennemis. Et tu brises les dents des méchants. Et tu brises les dents des méchants. Mon salut est auprès de toi, Seigneur. Mon salut est auprès de toi, Seigneur. Et que ta bénédiction soit sur moi. Et que ta bénédiction soit sur moi. Amen. C'est ça, le vrai bonheur, le vrai bonheur. On va lire encore le livre des Proverbes. Le livre de Proverbes 12. Ecclésiaste 8, 12. Ceux qui craignent Dieu, qui sont-ils? Non pas ceux qui ont peur, avoir peur, non. Mais ceux qui les respectent et qui, par amour, il met sa parole en pratique. Ils vivent d'une manière de plaire à l'Éternel. Ces hommes et ces femmes qui ont la foi en lui, qui ont confiance en lui, dans n'importe quelle situation. Amen. Amen. C'est ça le vrai bonheur. C'est ça le vrai bonheur. Avoir confiance, connaître son Dieu, vivre en communion avec lui, les respecter, faire confiance en lui, faire de l'Éternel ses délices. Amen. Amen. Si nous faisons de l'Éternel notre délice, nous allons vivre le vrai bonheur. Ecclésiaste chapitre 8, verset 12. Amen, amen, amen. 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 Je lis la parole au nom de Dieu dans Ecclésiaste 8, le verset 12. La parole nous dit, cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Amen. 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 Même s'il y a du mal sur cette terre, mais toi, ne fais pas comme eux. Amen. Ne fais pas, ne pratique pas le mal. Ne va pas ton âme à cause des biais, à cause des raccourcis. Non, 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 ne fais pas ça. Crains l'Éternel. Marchons dans la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Marchons dans la crainte. Que le péché ne domine plus sur nous. Romains chapitre 6, verset 12. Respecter Dieu, c'est ça aussi. Demeurer en lui. Entretenir cette amitié avec Dieu, avoir confiance, l'adorer, le chercher continuellement.
Oui, le bonheur de Dieu, c'est aussi Somme chapitre 1, verset 1 qui nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas sur les conseils des méchants. » Nous vivons un temps où les gens, même les chrétiens, ils abandonnent la vérité pour imiter le monde. Amen. Faire comme le monde, non. Non. Heureux ceux qui ne marchent pas selon les conseils des méchants et qui ne s'associent pas avec ceux qui violent les principes de Dieu, la loi de Dieu. Le vrai bonheur, c'est de craindre Dieu, de mettre sa parole en pratique, de l'aimer de tout son cœur, de l'adorer, de lui offrir les sacrifices des lois d'adoration. Ne pas craindre, avoir confiance en l'Éternel. C'est ça le vrai bonheur. Le vrai bonheur, c'est cette communion avec Dieu. Dans Deutéronome chapitre 8, verset 16, Dieu permet des épreuves aux enfants d'Israël. Il avait promis, écoutez-moi, je serai avec vous, je marcherai avec vous jusqu'à ce que vous allez atteindre Canaan. Mais ils ont aussi connu des épreuves. Dans Deutéronome chapitre 8, verset 16, c'est-à-dire que dans ta vie, dans nos vies, nous pouvons aussi connaître des épreuves. Mais nous devons avoir confiance en l'Éternel. Amen. Amen. Dans les actes d'apôtres, on nous montre comment les disciples ont connu les difficultés des épreuves. Mais le Seigneur les avait délivrés. Et le Seigneur aussi te délivrera. Amen. Le Seigneur tout nous délivrera. Le vent de l'ennemi ne dominera pas sur nous. Amen. Deutéronome chapitre 8, verset 16. Qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnu à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Le Seigneur permet des choses dans nos vies en tant que chrétiens, des épreuves, c'est pour nous faire du bien. Amen. Amen. Romains 8, 28 nous dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon sa volonté. C'est pour cela que nous pouvons voir dans la parole de Dieu, Joseph, qui était vendu par ses frères, il se retrouve en Égypte. Amen. Malgré qu'il a été vendu, mais il avait la joie. Il savait que Dieu est avec lui. Et il avait confiance en Dieu. Les trois amis de Daniel avaient confiance en Dieu. Daniel lui-même avait confiance en Dieu. Mardochée savait que Dieu interviendra pour eux. C'est ça le bonheur, connaître Dieu. Vivre en communion avec, demeurer avec Jésus. Marcher dans la crainte de Dieu. Et aussi témoigner ce Dieu-là. Amen. Oui, le vrai bonheur, c'est aussi amener des âmes au Seigneur. Quelle joie de voir une âme que tu as amenée au Seigneur, qui continue et qui commence à servir le Seigneur. C'est aussi ça le bonheur. Nous allons prier que le Saint-Esprit nous accorde ce bonheur-là. Le vrai bonheur. Et non le bonheur éphémère de ce monde. Si le bonheur était dans les mariages, il n'y allait pas avoir de divorce. Amen. Ah oui. Le vrai bonheur est en Jésus. Jésus, dans sa parole, en ayant confiance en lui. Parce que c'est lui qui est la vraie satisfaction et la providence de Dieu par excellence. Prions l'Éternel, notre Dieu. Aide-moi de te faire confiance, tendre Père. Quelles que soient les circonstances et les situations, que je puisse m'appuyer sur toi et que rien ne perturbe ma foi et que rien ne m'arrête. Quels que soient les vents, les tempêtes, que mon regard reste fixé sur toi. Sur toi seul, Seigneur Jésus, qui est le consommateur de la foi, qui a promis que je ne vous laisserai pas offrir, je viendrai. Toi qui accordes tout, sagesse, intelligence, puissance, force, contre les attaques démoniaques, je suis sous ton ombre, sous ton abri, et je n'ai rien à craindre. Toi qui me rajeunis, toi qui me donnes la force de vivre. Si aujourd'hui tu m'as mise à part, aide-moi, c'est pour m'épargner de vivre. Oui, ces choses viendront. Dans la crainte de Dieu. Seigneur, moi, je ne dépends pas de ce que disent les hommes, mais je dépends de ce que toi tu dis. Voilà pourquoi c'est le royaume, il y a des principes. Crée en moi cette confiance.